Bon, alors, vous commencez à avoir l'habitude. Si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement. Mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue zoulou, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. Curieuses et curieux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce bon Francis Lalanne a dit quelque chose de très représentatif de la façon de penser de l'alternosphère dans une vidéo extrêmement intéressante à regarder. Il n'en fallait pas plus pour vous faire un petit point d'interrogation. Francis Lalanne, le chanteur qui incarne, à mon sens, plutôt bien ce qu'est la pensée alternative, dite complotiste, a eu un échange en vidéo très révélateur d'un des malentendus les plus fondamentaux de notre époque. On va commencer par se regarder le petit échange en question. Et vous verrez, c'est très court. J'ai le droit, à partir du moment où j'ai deux opinions scientifiques, d'accord, j'ai le droit, moi, de choisir la vision minoritaire et de bâtir ma religion sur la vision minoritaire. Donc c'est un débat dans lequel chaque citoyen aujourd'hui doit avoir le droit de rentrer et choisir son camp, sans qu'on accuse l'un d'être complotiste s'il ne s'accorde pas avec la vérité officielle. Aujourd'hui, dès que vous avez une pensée divergente, vous êtes qualifié de complotiste. C'est inacceptable. Donc voilà, le reste de la vidéo est en description, dans les fiches, etc. etc. Ne la manquez pas, elle est vraiment très édifiante. Donc, selon moi, Francis Lalanne est tombé dans un piège dont j'ai déjà beaucoup parlé. Le fait que les mauvais journalistes des grands médias mettent en scène les débats scientifiques comme on met en scène les débats d'opinion, ou les débats politiques, ou les débats d'éthique, etc. Alors on peut se dire, oui, mais c'est chipoté sur les détails, c'est quand même pas loin d'être ça, etc., etc. Et si je vous disais que cette toute petite confusion a pour conséquence une cascade de malentendus qui mène droit au clivage sans précédent qu'on vit aujourd'hui. Je vais illustrer tout ça avec des petits dessins. Vous allez voir, je suis sûr et certain que vous soyez un alternatif, un sceptique ou disons un mainstream, oui parce que pour moi ce sont les trois grands groupes qui s'opposent, vous avez forcément déjà pensé à ce que je m'apprête à démontrer. Et c'est toujours mieux de partir de nos accords pour en arriver à nos désaccords. Bon alors je préviens tout de suite les sceptiques vétérans et les métasceptiques. Je n'utilise dans mon développement que ce qui sert mon propos. Il y a évidemment toutes sortes de petites subtilités, toutes sortes d'exceptions, toutes sortes de cas de figure particuliers. C'est une simplification qui a pour but de montrer ce que vous allez voir à la fin de ma démonstration. Qui qu'on soit, quelles que soient nos croyances, nos convictions, nos partis pris, on fonctionne tous de la même façon. Tout commence avec un mystère, une question, quelque chose qui ne colle pas avec la représentation du monde telle qu'on la concevait. Et donc, notre cerveau va se mettre en quête de réponses. Mais attention, hein, ça peut être aussi juste de la peur, de l'indignation, de l'émerveillement aussi. C'est toujours une nouvelle donnée inattendue à traiter pour savoir qu'en penser. Je vais résumer tout ça sous le terme « surprise ». Parce qu'en écriture de scénario, la surprise est véritablement le moteur de tous les récits. Elle peut être légère, elle peut être attendue, hein, même, elle peut ne pas être surprenante, mais c'est elle qui crée les enjeux, la nécessité d'aller chercher des réponses, des indices, etc. Exactement comme dans la vie. Donc, comme je disais, le processus est toujours le même. Même si nous agissons en groupes sociaux, nous sommes tous des façons de voir le monde différentes. Et cette façon de voir le monde, elle est fondée sur notre culture, notre environnement social, nos connaissances, nos croyances, nos valeurs, nos goûts, nos méthodes, bref. Nous sommes tous des grilles de lecture du monde, et il y en a autant de différentes qu'il y a d'individus à chaque instant T. Parce qu'avec ça, nos grilles de lecture, elles évoluent dans le temps. Donc, pour résoudre une surprise qui se présente à nous, et réaccorder nos valeurs à l'enjeu que la surprise représente, tout naturellement on va se mettre en quête d'indices, de preuves. Au fond, on va simplement se mettre en quête d'arguments satisfaisants pour atteindre une résolution satisfaisante. Et lorsqu'on est confronté à un argument, notre grille de lecture est précisément ce qui nous sert à l'évaluer. On va alors placer inconsciemment, bien sûr, un curseur d'évaluation entre fiable et pas fiable, utile ou illusoire, bon ou mauvais. Alors je dis inconsciemment, mais c'est pas toujours inconscient. Etc, etc. Et selon le résultat de cette évaluation, hein, qui est directement conditionnée par notre grille de lecture, qui est elle-même la somme de notre individu, hein, son histoire, etc., nous allons utiliser cet argument pour progresser dans la direction qu'il nous indique, ou alors on va rebrousser chemin et considérer cet argument comme pointant dans une mauvaise direction. C'est pas un vrai indice.
absolument toutes les grilles de lecture finissent par trouver une résolution satisfaisante. Ce sera une explication satisfaisante à un mystère, ou une bonne raison de partager une information révoltante, ou une bonne raison de ne pas partager une information prétendument révoltante, etc. etc. Et donc, comme on le voit ici, le souci, c'est que même en prenant de la hauteur, même en ayant une vue d'ensemble, on ne peut pas savoir quelle est la résolution satisfaisante la plus proche de la vérité. Ah, la vérité ! Ce truc qu'on est condamné à ne jamais pouvoir connaître avec certitude. Bon, alors c'est une question philosophique sur laquelle je ne vais pas m'étaler très longtemps, mais je pense qu'on peut à peu près tous reconnaître que du simple fait que nous sommes dépendants de notre perception du monde, pour nous le figurer dans notre esprit, forcément on est toujours en train d'agir à travers une représentation de la réalité, et non pas à travers la réalité elle-même. C'est notre cerveau, à travers les limites de sa perception, qui invente les couleurs, la nuit noire, l'opacité des murs, la transparence du verre. Dans le monde réel, on sait que les choses apparaissent très différemment de comment on les perçoit. Il y a des animaux qui voient les ultraviolets, etc. Et ça, on le sait grâce aux instruments de mesure qu'on a pu développer et qui compensent quelque part les carences de nos sens. Donc on est dépendant, si vous voulez, quelque part de comment on perçoit le monde. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Et bref, la vérité, c'est pas fait pour les humains vu qu'ils sont dans leur tête. Qu'ils n'ont pas le choix. Ceci dit, la vérité, elle existe bel et bien. Si ma surprise initiale, c'est une question de type « Qui a tué le colonel Moutarde ?» Eh oui, je sais que c'est pas lui qui meurt dans la pub, on s'en fout, on s'en fout. Selon la grille de lecture des indices qu'on a chacun, on va trouver des résolutions satisfaisantes différentes, on va accuser des coupables différents. Pourtant, il y en a bien une qui sera au plus proche de la vraie vérité qui est indépendante de nous. On peut donc imaginer sur dessin qu'il existe un point de vue omniscient qui est le point de vue de la réalité. Le point de vue divin, quoi, le point de vue de la matrice. Hein, font des images, hein, je suis pas... Et ce point de vue n'est accessible à aucun humain. Même ceux qui méditent dans un temple de l'Himalaya, et même ceux qui prennent du LSD. Alors à partir de là, il y a plusieurs attitudes possibles. On en a déjà parlé, certaines personnes vont dire « Puisqu'on ne peut pas savoir à coup sûr qui est au plus proche de la réalité, de la vérité, toutes les vérités se valent. » Oui mais non, toutes les vérités se valent pas. Parce que si on s'éloigne trop de la vérité, les conséquences peuvent être désastreuses. Vous pouvez quitter votre conjoint en pensant qu'il vous trompe alors que c'est pas vrai, c'est quand même pas très cool. Ou on peut en arriver à des trucs comme en 40, hashtag point Godwin, tout ça, tout ça. Ben oui, cette vilaine petite page de l'histoire, je rappelle qu'elle est quand même fondée, entre autres, sur de gros complots. L'idée de gros complot. Donc, chacun sa vérité, c'est bien joli, hein, ça sonne bien, comme on dit comme ça, c'était très respectueux. Mais en fait, c'est surtout le passeport pour le grand n'importe quoi. Et moi, le grand n'importe quoi, c'est pas mon dieu. D'autant que la plupart du temps, quand cette phrase est prononcée, elle signifie en fait chacun son opinion. Or, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'opinion à avoir. Je dois respirer pour vivre, mon ordinateur fonctionne à l'électricité, et si vous coupez le son, vous comprendrez pas ce que je dis. Tout ça, c'est pas chacun sa vérité, c'est comme ça. Alors je vois venir certains là, vous allez me sortir l'image du 6 ou du 9 qu'on lit différemment selon le point de vue et qui voudrait dire que tous les points de vue se valent, tout, enfin la, voilà, la vérité dépend de quel point de vue on l'observe. Eh ben non, parce que la vérité c'est que ce truc écrit par terre, il a été écrit dans un but précis, ou alors il s'est formé par hasard et il ne signifie absolument rien. S'il a été écrit dans un but précis, peut-être que le but c'était que chacun lise soit un 6, soit un 9, selon son orientation. La vérité n'est alors ni 6 ni 9, mais bien 6 et 9. Et vous pouvez creuser tant que vous voulez. Ce genre d'exemple, chacun sa vérité, c'est une des pires choses à dire sur le plan logique. Oui, même avec le cercle qui projette un carré dans un sens, une ombre dans l'autre, la vérité c'est cette forme-là, c'est le cylindre. C'est pas le rond, c'est pas le carré. Bref, ensuite, il y a l'attitude la plus répandue, le fameux argument d'autorité, qui n'est pas forcément un mal, loin de là. Donc ça, c'est pour les cas de figure où on sait qu'on n'est soi-même pas capable d'évaluer les indices, parce que c'est un domaine d'expertise qui nous dépasse. Et donc, on va simplement se fier à d'autres grilles de lecture, qui, elles, vont parcourir ces indices. Les grilles de lecture, c'est des gens, hein, je le rappelle. Hein. Et quand on fait confiance à une grille de lecture, on va même faire sien l'évaluation de cette grille de lecture pour chaque indice, alors que notre grille de lecture propre, si on était compétent pour évaluer les indices, on n'aurait probablement pas les mêmes décisions, vu qu'on a une grille de lecture différente. Mais avec ce procédé, voilà, on se dit « bon, cette grille de lecture est quand même globalement fiable, je vais lui faire confiance sur toute sa lecture des indices qui parcourent son chemin jusqu'à la résolution satisfaisante. » Par exemple, moi, je me fie à la grille de lecture d'Alain Aspect quand il s'agit de parler de mécanique quantique. Il a été confronté avec sa grille de lecture à des indices, et la façon dont il les a évalués,
je la fais mienne. Alors que je suis à des centaines d'années-lumière de pouvoir évaluer des indices comme lui, il a eu à évaluer. Et c'est exactement le même procédé pour ceux qui défendent Raoult. Ils ont trouvé de bonnes raisons de croire en sa grille de lecture, donc ça s'est plié, et du coup, bah, ils vont croire tout son raisonnement jusqu'à la résolution satisfaisante que Raoult présente. Par exemple, une des résolutions satisfaisantes qu'il a présentées, c'est l'hydroxychloroquine soigne. Eh ben, ils vont l'adopter entièrement, parce qu'ils font confiance à la grille de lecture Raoult, et donc à son interprétation des indices, et donc à sa résolution satisfaisante. Et c'est pas un mal, c'est normal, c'est une façon de procéder normale. C'est une heuristique, on appelle ça. C'est un outil pour aller plus vite dans une réflexion qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Je sens qu'on va m'emmerder sur la précision de la définition, donc... Zut. Mais c'est exactement aussi comme ceux qui adoptent l'idée que le vaccin est sans risque, parce qu'ils font confiance en tel expert ou en telle autorité. Voilà par exemple, une des raisons pour lesquelles moi je pense que le vaccin est sans risque. J'ai pas fait d'études qui me permettent de savoir que le vaccin est sans risque. J'ai pas du tout ce genre de compétences. Mais j'ai des amis dans le corps médical, et il y a des comptes que je suis, en qui je fais vraiment confiance, parce qu'ils m'ont démontré à moi de bonnes raisons de leur faire confiance. Et ils m'ont présenté des indices très satisfaisants. Mais alors du coup, ben ça donne raison à Francis Lalanne tout ça. Il a le droit de choisir quel scientifique il va suivre. Et vous voyez, on en arrive enfin à la petite subtilité qui change absolument tout, et qui est même à l'origine du monde moderne. Ouais, carrément. Vous allez voir. Tout d'abord, il y a un paramètre dont on n'a pas tenu compte dans tout ça. Je me demande si vous l'avez remarqué. Une résolution satisfaisante, elle apaise le cerveau parce que, en elle-même, elle satisfait. Ça marque la fin du parcours, la fin de la réflexion. Oui, mais à force de se rendre compte que cette méthode pouvait nous conduire à croire 20 trucs faux pour un truc seulement qui est au plus proche de la vérité, il n'y en a jamais qu'un. Ben, on a cherché d'autres moyens de valider le parcours d'une réflexion. Et le premier moyen qui nous est très vite apparu, c'est que ces fameuses résolutions satisfaisantes, qui ont tendance à nous faire arrêter de réfléchir, hein, puisqu'on est satisfait, ces résolutions satisfaisantes permettent de faire des prédictions. Et bien sûr, en toute logique, si la prédiction se confirme, elle va renforcer la fiabilité de toute la réflexion, rétrospectivement. Elle va même renforcer la crédibilité de la grille de lecture, la personne qui a fait toute cette réflexion. Si la prédiction se révèle fausse, bah alors c'est qu'il y a un problème soit dans la résolution satisfaisante qui a été présentée, soit il y a un élément inconnu qui, s'il était connu, rendrait la prédiction vraie. C'est l'un ou l'autre. Je sens que je vous perds un petit peu, donc je vais prendre un exemple très simple. Je me demande si le café réveille vraiment. Indice, je l'ai lu sur un site de confiance. Résolution, comme j'ai confiance en ce site, je considère que le café réveille. Oui, mais me voilà avec une prédiction. Si je bois du café, je vais me sentir plus réveillé que si je n'en bois pas. Donc, je passe à la phase de vérification de cette prédiction. Je bois 25 cafés, je fais une belle nuit blanche, conclusion. Ma réflexion est, jusqu'à preuve du contraire, totalement valide. Mais et si après 25 cafés, j'étais encore fatigué? Est-ce que ma réflexion est forcément invalide? Eh ben c'est là que soit ma résolution est fausse, non le café ne réveille pas, soit il y a un élément inconnu qui en fait, s'il était connu, validerait ma prédiction. Par exemple, espèce d'imbécile, t'as acheté du décaféiné. Là forcément... Donc si vous comprenez bien, on se retrouve quand même globalement, pas au cas par cas, mais à travers de nombreuses réflexions, à pouvoir identifier des grilles de lecture qui permettent d'aller très loin dans les prédictions. Des grilles de lecture qui sont plus performantes que les autres. Parce que quelque part, une prédiction, bah, c'est une nouvelle surprise qui va conduire à une nouvelle recherche d'indices, une nouvelle résolution, et donc une nouvelle prédiction, etc., etc. Nous voilà avec un moyen d'identifier des personnes qui sont plus douées que d'autres pour faire des prédictions. Généralement, dans un domaine précis qu'ils connaissent mieux que les autres, ce qui en fait des experts. Francis Lalanne réclame le droit de choisir son expert. Parce que les journalistes, l'opinion générale, la culture scientifique générale, c'est de croire que le débat scientifique est un débat d'experts qui exposent chacun leurs indices, leurs résolutions, leurs prédictions aussi. Et ensuite, bah, ce serait à tout un chacun de se faire sa propre opinion sur quel expert est le plus fiable. Et donc, quel expert incarnera la connaissance scientifique à laquelle il faut croire. Est-ce que vous pensez comme ça? Franchement, si c'est comme ça que vous pensez, marquez-le au fer rouge dans votre esprit. Pas un tort, hein, c'est pas un mal, c'est même plutôt logique de penser comme ça. Mais à peu près comme la validation des prédictions, il vous manque une information. Il y a une chose que vous ne pouviez pas deviner. Parce que
ce que ni les journalistes qui organisent ces débats stériles, ni Francis Lalanne avec son envie de bien faire, parce que Francis Lalanne est mu par une envie de bien faire, hein. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il existe une méthode encore plus fiable pour s'assurer d'être au plus près de la vérité. Regardez mon schéma. Ce qu'on voit, c'est des individus qui, chacun de leur côté, bon alors, parfois en groupe, comme les informateurs de Réinfo Covid ou les informateurs de la communauté sceptique, c'est pareil, réussissent à faire de beaux parcours de prédiction en prédiction, ce qui les conforte dans leur idée qu'ils sont de bonnes grilles de lecture. Et je parie que selon le groupe auquel vous vous identifiez, alternatif, sceptique, mainstream, vous pensez que le groupe d'en face foire ses prédictions et donc en plus c'est une bonne raison de rester dans votre groupe qui fait de meilleures prédictions que les autres groupes. Pas vrai ? Bon, soyons malins. Imaginons qu'on casse toutes les barrières et qu'on ait pour objectif de maximiser nos chances, les probabilités d'être au plus près de la vérité avec ces outils-là. Pas de l'atteindre à coup sûr, hein, qu'on soit bien d'accord. On sait déjà que ça, c'est pas possible. Imaginons qu'on cherche à développer la méthode qui permet de faire le plus de prédictions valides sur le plus de prédictions valides. Les prédictions les plus poussées, les plus audacieuses, avec les validations les plus précises. Comment faire ? Oui, je fais le malin, mais c'est pas moi qui ai inventé la méthode, hein. Je fais... moi, je sais. Non, je l'ai appris. Et j'espère que vous allez le retenir. Eh ben, on a développé un système qui casse les grilles de lecture en petits morceaux. Fini les individus. Je l'ai dit, les grilles de lecture, ce sont des individus, avec leur contexte social, leur goût, leur conflit d'intérêts aussi, hein, parce que ça, ben oui, il y en a. Même si, de mon point de vue, on donne trop d'importance à ce truc-là, et qu'il y a des trucs beaucoup plus graves, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Leurs outils, leurs méthodes, etc., etc. On se retrouve avec des fragments de grilles de lecture qui ont permis d'aller très loin dans le parcours des prédictions. Tu es ? On peut voir les parcours qui ont été le plus loin, regarder les fragments de grilles de lecture qu'ils ont en commun, et se dire que ces fragments de grilles de lecture ont quelque chose d'efficace pour aller plus loin possible dans le parcours des prédictions. Mieux encore, faisons ça à l'échelle de la planète tout entière, parce que ça, c'est le maximum qu'on puisse faire, le maximum. Regardons ce que les parcours qui vont le plus loin en termes de prédictions ont en commun en termes de fragments de grilles de lecture. Eh ben, vous me voyez venir, hein. Avec le temps, nous avons donné à ces parcours, fait des prédictions les mieux vérifiées, le nom de connaissance scientifique. La connaissance scientifique, c'est un titre décerné aux parcours prédictifs les mieux vérifiés. C'est pas un groupe de sachants qui se sont mis ensemble et qui se sont dit « bon bah ça c'est de la connaissance scientifique, on va tous se mettre d'accord, on signe et voilà ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait dramatique que ça se passe comme ça. On aurait une solide raison de remettre ça en cause. Et la connaissance scientifique, c'est le noyau le plus dur de notre savoir. La vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres secondes. Ça fait plus de 100 ans qu'on a vérifié cette information en la mettant à l'épreuve du réel, dans tous les sens, et c'est l'information qui se rapproche le plus de la vérité et qui nous permet de faire des prédictions. Prédictions extrêmement fiables qui ont conduit à l'existence du laser, par exemple, par extension au stockage informatique, à la découpe de précision, à la détection d'ondes gravitationnelles, etc., etc. Vous voyez, de prédiction en prédiction. La connaissance scientifique est un titre qu'on décerne à chaque instant T à nos connaissances les plus robustes que seule une immense surprise peut remettre en question. Bon, et les fragments de grille de lecture alors ? Eh ben, ces fragments, communs à chaque parcours de prédiction ayant mené à l'établissement de nouvelles connaissances scientifiques, on les appelle la méthode scientifique. Les outils communs qui ont permis d'établir les connaissances les plus solides, on les appelle la méthode scientifique, même si en vrai on devrait dire les méthodes scientifiques. Enfin, bon, alors, est-ce que vous commencez à voir le piège dans lequel est tombé Francis Lalanne à cause des mauvais journalistes qui organisent des débats merdiques ? Eh bien, ce piège, il est pourtant simple. C'est le temps. Le temps du parcours. La recherche scientifique. La recherche scientifique, elle se fait pas d'un claquement de doigts, elle prend du temps. Et c'est très confusant avec la connaissance scientifique, qui elle est accessible immédiatement. J'utilise Wikipédia, machin, connaissance scientifique. Lorsqu'une nouvelle surprise apparaît et commence son chemin, comme ce fut le cas avec la Covid, hein, qu'est-ce qu'on va obligatoirement observer ? Du simple fait qu'on est très nombreux sur Terre. Eh ben, à l'échelle de la planète tout entière, des centaines de milliers d'experts du domaine concerné, la succession des prédictions va commencer et un seul parcours
en sortira en étant le parcours le plus robuste, le plus prédictif, le plus près du réel. Oui, mais en cours de route, forcément, certains experts, contre l'avis de leurs confrères, de même niveau, de même rang, avec la même connaissance, vont arriver à des solutions satisfaisantes avant les autres. Ça va arriver, c'est obligatoire, il y a trop de gens sur Terre, forcément, il y en a un ou deux qui vont commencer à développer ça. Statistiquement, ça doit arriver. Et il peut y avoir mille raisons à ça, hein. Un expert qui fait une erreur de jugement, ou alors il a un élément dans sa grille de lecture qui lui fait avoir un peu trop confiance en son intuition, donc il vérifie pas assez, etc, etc. Ça arrivera forcément. Il y en a toujours un pour se faire remarquer. Et bien sûr, en toute logique, ça arrivera plus spécifiquement chez ceux qui n'ont pas en commun des morceaux de grille de lecture communs à la méthode scientifique. C'est-à-dire ceux qui défient la méthode scientifique vont trouver des solutions satisfaisantes avant les autres. Par exemple, les médecins ne sont pas des chercheurs. Les infirmiers ne sont pas des chercheurs non plus. Ils n'ont pas une connaissance approfondie des méthodes scientifiques. Ils n'ont pas une connaissance approfondie de ce que c'est la recherche. Ils appliquent de la connaissance scientifique. Leur métier, ce n'est pas d'en trouver. Et ils peuvent très bien se convaincre d'avoir trouvé une résolution satisfaisante avant tout le monde, tout en se trompant et tout en étant experts, etc. C'est possible, et c'est même quelque chose qu'on observe systématiquement. Surtout pour les questions de grande échelle, voire d'échelle planétaire comme la Covid. C'était inévitable que ça arrive. Et surtout, ils n'en seront pas moins convaincants, plus encore sur un plateau de télé. Et donc, on s'est retrouvé pendant cette crise avec un petit problème. La mise en scène de partis pris contradictoires entre individus qui prétendent avoir une résolution satisfaisante, alors que ce que la science disait vraiment, c'est « pour l'instant, on cherche, on ne sait pas », c'est un petit peu problématique. Et quand la réponse scientifique, c'est « on ne sait pas », ben, y a forcément un véritable état du débat scientifique. Mais cet état du débat, ça peut pas être le fruit de la controverse de ceux qui ont arrêté de réfléchir et qui pensent avoir la solution. Vous comprenez? C'est forcément un état du débat qui se trouve beaucoup plus loin sur la chaîne de prédiction, qui tient compte de choses plus subtiles, plus compliquées, etc., etc., et qui émet beaucoup plus de prudence. J'ai le droit, à partir du moment où j'ai deux opinions scientifiques, d'accord ? J'ai le droit, moi, de choisir la vision minoritaire et de bâtir ma religion sur la vision minoritaire. Cet état du débat, pour toutes les questions scientifiques, il est très difficile à comprendre et à saisir. Même les experts, parfois, ne le saisissent pas, l'état du débat de leur domaine de compétence. Alors, un mauvais journaliste, vous pensez ? Ça devrait être le travail des journalistes scientifiques, d'ailleurs, de réussir à rendre compte de l'état du débat, et non pas de mettre face à face des gens qui pensent déjà avoir tout résolu. Donc pour faire simple, quand les journalistes mettent en scène un débat scientifique entre individus qui pensent avoir la réponse à une question non résolue par la collectivité mondiale scientifique, c'est de la merde. Est-ce que vous captez le point crucial de cette différence? La science n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire de collectivité mondiale. Même les travaux d'Einstein n'étaient pas une affaire d'individu, de l'individu Einstein, mais bien une affaire de la collectivité mondiale, qui s'est penchée sur ces travaux pour les mettre à l'épreuve, pour aller plus loin, pour en faire des déductions, des prédictions, des machins, etc. Comprenez la différence. L'idée qu'il faille choisir son champion est une aberration scientifique. Et toute démarche allant dans ce sens, quel que soit le savant qu'on choisit, est une démarche anti-scientifique. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que vous devriez maintenant comprendre que non seulement le consensus scientifique, c'est-à-dire l'idée générale qui se dégage des meilleurs experts par rapport à une information donnée, est considéré comme étant le niveau de preuve le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre. Puisque c'est la collectivité mondiale des meilleurs cerveaux qui se mettent d'accord sur une donnée. Mais qu'en plus, il est totalement faux d'imaginer qu'un individu, ou même un groupe fait de plusieurs individus, soit capable de le corrompre juste en l'arrosant de fric. Comment voulez-vous que des centaines de milliers d'experts d'un même sujet, venant de milieux différents, avec des intérêts différents, parfois opposés, parfois venant de pays concurrents, parfois venant de pays en guerre les uns avec les autres, d'entreprises concurrentes, des experts ayant suivi, débattu, fait progresser la réflexion sur une question précise, comment voulez-vous que le consensus issu de ce foisonnement de milliers d'experts d'intérêts divers et opposés, mais qui partagent tous la même méthode, soit corruptible, juste en arrosant de fric? Me vient l'idée d'une petite comparaison pendant que je suis en train de monter. C'est un petit peu comme le verdict critique sur des films. Vous allez pouvoir influencer
les critiques à la sortie du film, mais sur un laps de temps relativement court, il y a tellement de critiques qui s'accumulent que c'est un score pratiquement incorruptible. Vous ne pouvez pas choisir de modifier le score critique que toute la planète fait d'un film, quand bien même vous auriez des millions de dollars, c'est pas possible. Ou alors si vous essayez, il y en a forcément une grande proportion qui vont vendre la mèche, et bah, votre truc, il n'aura pas marché. Donc voilà, c'est une belle comparaison. La science, c'est pas comme la politique. Ne me sortez pas l'exemple des industriels du tabac dans les années 50, parce que le consensus était très clair à l'époque. Le tabac était cancérigène. C'était une manipulation politique et une manipulation d'opinion publique, c'était pas une manipulation du consensus. La science, ce n'est pas comme la politique. Il suffit pas de corrompre l'élite d'un parti pris, ce qui arrive, hein, ça arrive vraiment, pour automatiquement corrompre le consensus. Le consensus finit toujours par se rétablir. Le consensus, si vous comprenez comment il marche, il se guérit tout seul. La science, mes amis, c'est bien plus fort que ça. C'est truffé de problèmes et d'imperfections, hein. Attention, je dis pas du tout le contraire. Mais c'est cette façon de faire qui a permis à nos avions de voler, à nos téléphones de nous permettre de communiquer à distance, à notre esprit de se représenter sur une planète dans un coin d'une galaxie, à notre espérance de vie d'avoir été doublée en un siècle seulement, au cancer d'être aujourd'hui mieux soigné que jamais, etc., etc., etc. Parce qu'il y a quand même une grande prédiction à faire, c'est que si on arrive à trouver une méthode très efficace pour s'approcher au plus près de la réalité, on devrait voir l'impact de cette méthode dans notre quotidien. Et ben moi, je la vois quand même un petit peu partout, l'impact de cette méthode dans mon quotidien. Donc, la science, ce n'est pas les scientifiques. La science est tous les scientifiques. La présenter comme un débat de parti pris est une faute aux conséquences catastrophiques. Je pense, pour avoir été dans la pensée alternative la majeure partie de mon existence, oui, je suis un ex-complotiste, si vous préférez les raccourcis, et pour aujourd'hui en être sorti et avoir compris pourquoi cette façon de penser est un piège, une illusion très convaincante, je pense que le problème que je viens de dénoncer est un des piliers majeurs qui soutient la logique de l'alternosphère actuelle. Tadam ! Regardez-moi ce magnifique dessin ! Alors, de quoi ça s'agit ? Eh bien, la série de livres pour enfants Zack et Zoé est de retour ! Après leur excellente, respectueuse et prudente enquête sur le monstre du Loch Ness, la mythologie chrétienne et le Père Noël, nos esthéticiens en herbe s'attaquent enfin aux ovnis. Je suis pas en train de faire un placement de produit, je suis vraiment en train de vous parler d'un truc que j'aime. Rien à gagner dans tout ça. Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que les ovnis c'est un thème qui m'est très cher, puisque j'en ai vu un. Haha, qu'est-ce qui se passe quand un sceptique voit un ovni ? Rendez-vous dans les fiches et dans la description. Donc comme toujours, pour les soutenir, on a monté une petite opération. Si vous participez à leur campagne de financement participatif, en mentionnant le hashtag Monsieur Sam, dans la section commentaires de leur page Ulule, hein, pas ici, pas dans les commentaires ici, dans les commentaires de leur page Ulule à eux, vous recevrez ce superbe poster exclusif dédicacé par moi-même, mais aussi par les deux papas de Zack et Zoé. Le vétéran Jean-Michel Abrassard, que j'ai déjà interviewé, et le talentueux dessinateur Marius Notet. Deux personnes fantastiques qui méritent vraiment que vous participiez à leur succès. Bon, alors dans mon empressement, j'ai oublié de vous dire que vous n'aviez que 7 jours pour participer à la campagne avec le hashtag Monsieur Sam, puisque cette campagne finit très exactement le 23 juin à 23h59. Donc, ne tardez pas, si vous voulez, le poster collector. Non mais regardez-moi ce dessin, c'est carrément génial. Quelle consécration. Enfin, moi, personnellement, je suis assez ému par le truc, quoi. Ce sera le seul et unique moyen de l'obtenir. Alors, bien entendu, si vous avez déjà participé à leur campagne, vous mettez le hashtag dans la section commentaires de leur page Ulule, hein. C'est une opération rétroactive, les auteurs y tenaient, même si moi je leur avais proposé une opération un peu plus filoute, c'est vous dire si ce sont de bonnes âmes. C'est de l'excellent matériel pédagogique, hein. Alors, si vous êtes professeur ou je sais pas quoi, c'est bien fait, c'est beau, c'est bienveillant, c'est respectueux, c'est pas du débunkage, c'est une réflexion, une vraie réflexion épistémologique sur ces questions-là, et c'est adapté aux enfants. Moi qui sais jamais quoi offrir à mes petits-neveux ou aux enfants de mes amis, franchement, foncez. Alors moi j'ai bien entendu les 4 tomes qui attendent que ma fille soit un petit peu plus grande, je trépigne d'impatience de lire tout ça avec elle. Donc rendez-vous sur Ulule, le lien est dans la description, vous achetez autant de livres que vous le souhaitez, vous écrivez le hashtag Monsieur Sam dans la section commentaires de leur page Ulule et vous recevrez automatiquement le poster exclusif triplement dédicacé.
La vie est belle. Bon alors, quelques nouvelles rapidos, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode de ma méthode Z vendredi passé, j'ai eu des soucis techniques avec mon PC qui font que monter avec ma webcam ça passe, mais avec les rushs en 6K ça va pas trop. Donc je suis en train de résoudre ça, et plus généralement j'ai aussi pas mal de, disons, défis sur le plan personnel, privé, qui m'attendent et qui m'ont rendu la vie un peu trop difficile ces derniers temps. En tout cas, je suis super content de vous retrouver dans un petit point. Rendez-vous très bientôt pour les épisodes 5 et 6 de ma méthode Z, et donc en attendant, ne partez pas trop loin, parce que oui, il y aura d'autres petits points d'interrogation sur la chaîne. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, de vous abonner, et puis bah, de soutenir la chaîne sur Tipeee, sur machin, etc. si vous trouvez que tout ça vous est utile. En attendant le prochain petit point d'interrogation, prenez bien soin des fragments de grille de lecture avec lesquels vous vous mettez des choses là-dedans.